La minute des chroniques de l'Orang-Outan. Aujourd'hui, on parle de la bande dessinée Americana de Luke Haley. Dans ce roman graphique alternant dessin et texte, l'auteur de BD irlandais Luke Haley raconte son obsession pour les États-Unis et ses tentatives pour s'y installer. Par soif d'aventure et pour aller aux limites de lui-même, il entreprend le Pacific Crest Trail, ou PCT, qui longe le Pacifique sur toute la côte ouest. Ce sentier de randonnée mythique de 4280 km est extrêmement difficile et seule une centaine de marcheurs émérites parviennent à avaler le parcours sans interruption sur une saison. La fenêtre météo étant assez réduite, notre héros, pas vraiment taillé pour l'aventure, se lance de la frontière mexicaine en avril pour tenter d'atteindre le Canada avant les premières tempêtes de neige en septembre. Le trek se déroule dans une nature sauvage, entre les incendies, les animaux sauvages, le manque d'eau, le poids du sac à dos, la tente qui s'effondre nuit après nuit et les douleurs soignées à grands coups d'ibuprofène. Les kilomètres défilent entre solitude et moments partagés avec les autres marcheurs dans une compétition amicale. Chacun reçoit un surnom, pour lui ce sera Sursac. L'épuisement le conduira plusieurs fois à prendre des pauses, mais parviendra-t-il à surmonter l'envie d'abandonner ? Les dessins de cette BD sont bleu marine, presque des esquisses, simplement rehaussées de trames rouges ou bleues comme dans les mangas. Le ton du récit est souvent drôle, plein d'autodérision, de moments cocasses et de portraits amusants. Les chroniques de l'Orang-Outan sont un podcast des bibliothèques de la ville de Lausanne. La chronique du jour vous a été présentée par Estelle.